Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci de vous abonner, c'est gratuit. Il suffit simplement que vous cliquiez sur le logo qui apparaît en bas à droite de votre écran. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire pour joindre un document à votre email dans l'environnement Yahoo Mail. Donc déjà, nous allons dans la boîte à email et nous allons décider d'envoyer un nouveau mail. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va sur le rectangle bleu en haut à gauche et nous cliquons dessus une fois. Nous sommes maintenant en haut, à l'endroit où il y a marqué A. Qu'est-ce que nous faisons? Nous marquons un destinataire. Nous en avons déjà des préenregistrés, donc moi je vais commencer à écrire le commencement. Il m'en trouve un, c'est très très bien. Et si je voulais, je pourrais mettre quelqu'un en document joint, mais c'est pas le but. Donc qu'est-ce que je fais? Ensuite, je marque l'objet du mail. Image. Au pluriel. Et je décide cette fois-ci, voyez, des images que j'ai déjà préenregistrées sur mon ordinateur. Qu'est-ce que je fais? Je clique donc sur le trombone qui se trouve en bas, légèrement sur le côté gauche, à côté du rectangle envoyé. Et j'appuie une fois. Et j'ai quatre possibilités. Je choisis celle en bas où il y a marqué « Joindre des fichiers depuis un ordinateur ». Puisque, comme je vous l'ai dit précédemment, mon support se trouve dans l'ordinateur. Il se trouve dans « Bureau » et ensuite dans un dossier qui s'appelle « Vidéo ». Donc, je clique une fois dessus. Très bien. Ensuite, voilà, en haut, on peut voir qu'il y a marqué « Ce PC ». Bureau, vidéo, très très bien. Et mon image se trouve ici. C'est celle qui s'appelle Essay. Il y a deux possibilités pour pouvoir intégrer. Soit vous double-cliquez sur la ligne de l'image, soit vous cliquez une fois et puis après vous appuyez sur ouvrir. On va faire un double-cliquage. Donc Essay, clic-clic. Et voilà, vous voyez le premier support qui apparaît. Maintenant, nous allons décider d'envoyer une autre image. Donc on reclique sur le trombone. Je clique encore une fois dessus. Je vais en bas, joindre des fichiers depuis un ordinateur, c'est mon choix. Et ensuite, je décide de mettre une photo familiale, c'est-à-dire moi en famille avec ma femme et mes deux enfants. Voilà. Et j'appuie cette fois-ci sur ouvrir. Très bien, vous avez donc deux images qui ont été intégrées. Vous avez le nom du destinataire, vous auriez pu en mettre plusieurs, et vous avez le titre. Bien évidemment, vous pouvez aussi marquer des commentaires en haut, à l'endroit juste en dessous de l'objet, et vous marquez ce que vous voulez. Qu'importe le message, il apparaîtra accompagné des images. Donc voilà, maintenant vous savez envoyer un document joint. Pour envoyer maintenant ce email, il suffit de cliquer sur le rectangle en bas à gauche où il y a marqué « Envoyer » et vous cliquez une seule fois, cela suffit. Bien évidemment, vous n'êtes pas limité seulement à des images. Vous pouvez aussi mettre des documents administratifs, des documents joints, tout support qui peut être enregistré sur votre ordinateur et être envoyé. Vous pouvez même envoyer des sons, vous pouvez envoyer de nombreuses choses. Voilà, merci, bientôt de nouvelles vidéos, merci de vous abonner, à bientôt.